Et nous voici à nouveau ensemble sur France 2 et sur France Musique pour la deuxième partie de ce concert du Nouvel An 2009 donné en direct de la salle dorée du Musikverein de Vienne sous la direction de Daniel Barenboim. Daniel Barenboim dirige donc pour la première fois ce concert. C'est évidemment un chef d'orchestre bien connu du public français puisqu'il a été directeur musical de l'Orchestre de Paris de 1975 à 1989 avant de diriger l'Orchestre de Chicago et puis aujourd'hui d'être le directeur musical de l'Opéra d'État de Berlin. Mais Daniel Barenboim est également connu aujourd'hui pour l'action qu'il mène à la tête de son orchestre Le Divan, qui rassemble donc des musiciens israéliens et palestiniens. C'est une contribution modeste sans doute, mais très engagée en faveur de la paix au Proche-Orient. Daniel Barenboim, d'ailleurs, outre qu'il est de nationalité israélienne, possède un passeport palestinien, ce qui a provoqué parfois certaines polémiques dans son pays, mais ce qui prend évidemment une résonance particulière en cet hiver 2008-2009. Et le public viennois finit donc de s'installer pour cette deuxième partie au cours de laquelle on va entendre le côté hongrois de Johann Strauss avec l'ouverture du Baron Tsigane pour commencer, qui est la plus célèbre opérette de Johann Strauss avec la Chauve-souris. Elle date de 1885 et c'est une œuvre qui a presque l'ambition d'un opéra, même s'il s'agit d'une opérette. On va donc entendre maintenant cette belle grande ouverture et ensuite quelques autres pages du même Baron Tsigane, toujours de Johann Strauss Jr., qui est le compositeur très à l'honneur cette année pour le concert du Nouvel An.
l'ouverture du Baron de Cigane de Johann Strauss, cette célèbre opérette de 1885 qui joue un rôle très important dans la musique viennoise parce qu'elle élargit d'une certaine façon le répertoire viennois vers la Hongrie, vers l'Europe centrale, vers le monde tzigane et bohémien. Vous avez entendu ces couleurs dans l'écriture de cette ouverture et dans toute cette œuvre qui raconte d'ailleurs l'histoire d'amour entre un prince hongrois et une bohémienne. Alors on va rester un peu en compagnie de cette œuvre avec la grande marche d'entrée du Baron de Cigane. La grande marche du Baron de Cigane, marche spectaculaire d'ailleurs, puisqu'elle était prévue pour une centaine de figurants, soldats, cavaliers, gens du peuple et enfants qui apparaissent donc sur scène dans cette marche solennelle. Et cet extrait donc d'une grande œuvre de Johann Strauss, le Baron de Cigane, qui a fourni aussi des thèmes de valse, comme celle qu'on va entendre maintenant, la valse du trésor.
la valse du trésor de Johann Strauss Jr. qui vous a permis de découvrir au moins en partie le palais Esterházy, ce palais qui se situe en Hongrie et qui a été mis à l'honneur cette année parce que c'est dans ce très beau château que Joseph Haydn a passé la plus grande partie de sa vie de compositeur. Or, eh bien, nous allons fêter en cette année 2009 les 200 ans de la mort de Joseph Haydn. Ce sera l'un des grands musiciens de l'année, donc, et il symbolise à lui-même justement évidemment cet empire austro-hongrois, le palais Esterházy, et puis également les ballets qu'on retrouve chaque année, les ballets du Staatsoper et du Volksoper, ici dans une chorégraphie de Vladimir Malakoff. C'est une spécialité un peu kitsch de la télévision autrichienne, que ces protagonistes qui se poursuivent dans des salons d'une pièce à l'autre, avec une fonction au fond un peu touristique, puisqu'ils nous font aussi découvrir chaque pièce, les meubles, les tableaux de ces palais viennois. On va retrouver d'ailleurs les ballets tout à l'heure, mais nous allons poursuivre avec deux compositeurs qui nous éloignent donc un peu maintenant de Johann Strauss, Josef Hemmelsberger Jr. dans une valse espagnole. C'est un grand compositeur viennois, un peu moins connu que les Strauss. Et puis ensuite, Johann Strauss le père, cette fois-ci, dans le Galop de Zampa. Zampa qui était un célèbre opéra comique français, qui a été d'ailleurs repris à l'opéra comique l'an dernier, qui a été créé en 1831 et qui était si connu en Europe qu'il a inspiré donc un galop à Johann Strauss, le père. Voici Daniel Barenboim pour ces deux pièces, donc valse espagnole et galop de Zampa. Valse espagnole de Joseph Hemmelsberger Jr., au cours de laquelle d'ailleurs Daniel Barenboim a carrément quitté son pupitre de chef d'orchestre pour montrer la confiance qu'on peut avoir dans ce merveilleux orchestre philharmonique de Vienne, spécialement dans ce répertoire. Maintenant, le galop de Zampa. Thank you.
Le galop de Zampa, Zampa ou la fiancée de marbre, opéra du compositeur français Hérold, donc repris ici par Johann Strauss le père. Il faut dire que le galop était la danse rapide mon préféré au temps du père Strauss dans la première moitié du 19e siècle. Et puis ensuite, eh bien, le galop a été peu à peu remplacé par la vogue de la polka venue de l'actuelle Tchécoslovaquie. Et voici deux polkas maintenant.
Alexandrinen Polka, une polka lente qui, selon la tradition, va être suivie maintenant par une polka très rapide, Unter Donner und Blitz, sous le tonnerre et les éclairs, l'une des plus célèbres polkas de Johann Strauss Jr., son opus 324. Unter Donner und Blitz, un tube de Johann Strauss et une belle évocation de la tempête, spécialement aux percussions et au vent qui s'opposent au thème plus chantant des cordes. C'est une très belle pièce qu'on vient d'entendre, donc toujours sous la direction de Daniel Barenboim, qui va maintenant, je crois, sortir quelques instants de la scène, tandis que le public applaudit l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Je ne sais pas d'ailleurs si vous vous souvenez des polémiques voici quelques années sur le fait qu'il s'agissait d'un orchestre très exclusivement masculin. Eh bien, vous voyez, les choses changent à Vienne. Vous avez pu apercevoir deux femmes dans l'orchestre, une violoniste et une violoncelliste. Et nous allons maintenant donc poursuivre ce programme avec le frère de Johann Strauss Jr., son frère Josef, qui est un très très bon musicien, malheureusement un peu méconnu, mais qui réapparaît chaque année à l'occasion de ce concert du Nouvel An. Et on va l'entendre là dans une musique des sphères, une grande valse composée pour le bal des physiciens à Vienne en 1868. Il faut dire que Josef Strauss avait également une formation de scientifique avant de devenir musicien et d'être considéré d'ailleurs par son frère Johann comme le plus doué de la famille, du moins c'est ce qu'il disait.
Et ce sera donc à nouveau une grande valse, puisque dans le concert du Nouvel An, on alterne toujours les pièces plutôt à deux temps ou à quatre temps. Et puis d'autre part, les pièces à trois temps. Là, c'était les valses. On était dans le binaire. Maintenant, on retourne dans le rythme à trois temps, celui des valses ou des polka mazurka, dont Joseph Strauss était l'un des spécialistes. Mais là, c'est une grande valse, un peu dans la manière de son frère, avec son enchaînement très riche de thèmes. Thank you.
Musique des sphères, une grande valse de Joseph Strauss avec toujours ce principe, une introduction et puis beaucoup de thèmes qui se suivent dans un enchaînement de mouvements valsés et enfin cette coda spectaculaire. En tout cas, la musique des sphères était accompagnée comme il se doit par des images des cimes autrichiennes. Et je crois que maintenant nous allons retourner en Hongrie, au château Esterházy et dans ses jardins pour un nouveau ballet sur une pièce conçue par Strauss comme un hommage aux Hongrois, très précisément hommage à la noble nation hongroise, cette polka que nous allons entendre dans un instant. Un charmant petit duo d'inspiration populaire que cette chorégraphie donc toujours de Vladimir Malakoff avec des danseurs du Staatsoper et du Volksoper de Vienne, censé nous faire partager la bonne humeur et l'élégance viennoise. En tout cas, nous allons maintenant poursuivre ce programme avec un morceau particulier qui n'appartient qu'au programme de cette année puisqu'il s'agit de poursuivre cet hommage à Joseph Haydn qui est mort à Vienne le 31 mai 1809. On fêtera donc le bicentenaire de sa disparition tout au long de cette année. Et il faut rappeler donc que Haydn a passé une grande partie de sa vie, la plus grande partie, au château Esterházy qu'on a vu au cours de ses ballets. C'était les princes Esterházy qui étaient donc les maîtres de Haydn et qui ont été d'ailleurs de bons mécènes, mais parfois avec des petites tensions, comme cette symphonie des adieux nous le laisse entendre, puisque l'œuvre a été écrite pour manifester une petite protestation des musiciens qui ne voyaient pas assez souvent leur famille, qui était un peu à l'écart à Esterházy. Et donc, au cours de ce mouvement final des adieux, on voit les musiciens qui sortent l'un après l'autre de la scène pour manifester leur mécontentement. C'était la petite mise en scène prévue par Haydn lui-même, qui est resté le dernier sur scène avec un autre violoniste. On va entendre ce mouvement final des adieux, donc bien sûr toujours dirigé par Daniel Barenboim.
avec un effectif évidemment plus réduit que celui du grand orchestre au complet. Nous sommes là dans la symphonie classique qui nécessite un peu moins de musiciens. Mais voilà un morceau de choix pour ce concert du Nouvel An. Thank you.
Évidemment, le public viennois est toujours bon enfant et il rit facilement aux gags musicaux qu'on lui propose cette année. Mais là, il s'agit d'un morceau de choix avec ce final de la symphonie des adieux. Et Daniel Barenboim a très bien joué son rôle de chef désappointé. Finalement, se rassurant avec les derniers musiciens qui sont encore sur la scène et les félicitant longuement. Il s'agissait donc effectivement du final de cette symphonie en fa dièse mineur numéro 45, dite Les Adieux de Joseph Haydn, même si le surnom des adieux, comme souvent dans les œuvres musicales, n'est arrivé d'ailleurs qu'après la première édition de l'œuvre à Paris en 1775. Vous aviez peur peut-être que les musiciens ne reviennent pas. Ils sont tous déjà de retour sur scène et c'est la traditionnelle remise de fleurs au chef d'orchestre par les horticulteurs de San Remo qui font partie des traditions de ce concert du Nouvel An à Vienne qui va se poursuivre encore pendant quelques minutes avec d'abord une pièce justement qui est une espèce de réponse à l'angoisse qui a monté dans cette symphonie des adieux puisqu'elle s'intitule « Nous ne sommes pas si anxieux, so ängstlich sind wir nicht », une pièce de Johann Strauss qu'on va pouvoir écouter maintenant et qui est encore une polka rapide avant de passer au grand moment que sera le beau Danube bleu et bien sûr également les vœux de nouvelle année. Daniel Barenboim est sorti à son tour quelques instants et voilà, il revient pour cette nouvelle polka donc de Johann Strauss. En attendant, l'hommage à Haydn qui se poursuivra tout au long de l'année dans beaucoup d'orchestres, évidemment, à travers l'Europe et à travers le monde, qui ont mis ce très grand compositeur à leur programme de l'année 2009. So ängstlich sind wir nicht, la polka rapide opus 413 de Johann Strauss. Et maintenant, Daniel Barenboim va probablement sortir encore quelques instants avant le beau Danube bleu et les vœux de nouvel an. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le prince Esterházy, après l'exécution de ce final de la symphonie des adieux de Haydn, avait été apparemment sensible à la manifestation d'humeur des musiciens et s'est empressé d'améliorer leur situation. Il faut dire que
Haydn était le grand musicien de la cour Esterházy. Il y est entré en 1761 et il y a passé plus de 30 ans au service de plusieurs princes successifs. D'abord Paul II Esterházy, puis son frère Niklaus, dit le Magnifique. Le moment des vœux, bien sûr, on a reconnu les premières notes du Beau Danube bleu. We hope 2009 will be a year of peace in the world and of human justice in the Middle East. Philharmonica und ich wünschen Ihnen Prosit Maya! Voilà, vous l'avez compris, un appel à la paix au Moyen-Orient par Daniel Barenboim avec l'orchestre de Vienne qui va maintenant jouer le Beau Danube bleu. Thank you.
Comme vous l'avez remarqué, c'est donc un ballet d'enfants qui illustrait la plus célèbre valse du monde en direct du Musikverein de Vienne, la plus célèbre valse du monde, devenue d'ailleurs célèbre à Paris, car la première exécution à Vienne n'avait pas eu tellement de succès, mais les échanges et les imitations étaient nombreux entre les deux villes, et c'est donc lors d'une tournée des Strauss à Paris que l'œuvre a connu toute sa gloire. Nous allons retrouver maintenant le père Strauss dans sa très très célèbre marche de Radetzky, car si au fond Johann Strauss, numéro 2, son fils, est resté célèbre par beaucoup de valses, les Roses du Sud, la valse de l'Empereur, le Beau Danube Bleu, bien sûr, le père, lui, n'est resté célèbre qu'à travers une œuvre, cette marche de Radetzky, qui termine traditionnellement le concert du Nouvel An et qui était censé célébrer la victoire du maréchal Radetzky sur les rebelles lombards en 1848, c'est-à-dire un an avant la mort du père de Johann Strauss, qui s'appelait lui-même Johann Strauss, et qui a passé la dernière partie de sa vie en concurrence avec son fils qui avait fondé son propre orchestre avant de devenir le grand Strauss. Donc voilà l'histoire de cette marche de Radetzky qui, chaque année, termine le concert du Nouvel An et qui symbolise à elle seule l'Empire austro-hongrois. On voit Daniel Barenboim qui revient sur scène, qui s'adresse aux musiciens. Je ne sais pas ce qu'il leur dit, mais visiblement une conversation animée ou peut-être une dernière surprise qui nous attend. Thank you.
la marche de Radetzky qui terminait comme chaque année ce concert du Nouvel An à Vienne, le 51e concert diffusé depuis le Musikverein de Vienne et dirigé pour la première fois par Daniel Barenboim. Il faut dire que Daniel Barenboim, depuis une vingtaine d'années, a souvent dirigé l'orchestre de Vienne, mais que c'est donc la première fois qu'il dirige le concert du Nouvel An. Il faut rappeler également que Daniel Barenboim a étudié son métier de chef d'orchestre en partie avec Igor Markevitch à Salzbourg. C'est donc un ami de l'Autriche qui dirigeait le concert cette année. Et un personnage très cosmopolite, puisque Daniel Barenboim, je le rappelle, est né à Buenos Aires avant de s'installer avec sa famille en Israël. Il a donc à la fois la nationalité argentine, israélienne, espagnole depuis janvier 2008 et ce passeport palestinien dont je vous parlais tout à l'heure. Un homme ouvert au monde et à toutes les formes de musique, puisque c'est également un grand pianiste qui a joué comme soliste et aussi en musique de chambre avec tous les grands interprètes de sa génération. Tout cela explique la place centrale que tient Daniel Barenboim dans notre vie musicale et son invitation donc aujourd'hui à l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il me reste en tout cas à vous souhaiter à tous une très bonne année 2009 et puis peut-être vous irez entendre ici ou là à travers la France d'autres concerts du Nouvel An, puisque c'est devenu une tradition aujourd'hui que tous les orchestres reprennent, que de donner donc un concert du Nouvel An avec un programme viennois ou parfois un programme français. Il y a aussi beaucoup de valses, de polkas qui ont vu le jour dans notre pays, et voilà une jolie petite tradition festive et musicale qui s'est répandue un peu partout à travers le monde. Mais évidemment, ce concert de Vienne, c'est celui qu'on retrouve avec le plus de plaisir chaque année pour le 1er janvier. À bientôt à tous sur France 2 et sur France Musique.